C'est l'heure. Bientôt, tu pourras enfin l'éliminer. Ça ne l'a pas tué. Ça a fait de lui un dieu. Ça marchera. Tu verras. La banque appartient à Dolores Michaels, la directrice. J'ai étudié les lieux et parlé à certaines personnes. Et malgré des échecs précédents, il y a quelques possibilités. Ils en avaient après l'argent, pas nous. Comment penses-tu pénétrer à l'intérieur ? Il y a trois possibilités. Le toit, les poubelles et les égouts. Elles sont toutes viables. Une fois à l'intérieur, je trouve le coffre. Le couteau doit être dedans. La sécurité sera élevée. Tu as appris quelque chose ? Pas vraiment. Des gardes, des soldats mécaniques et beaucoup de portes ouvrables à distance uniquement. Sans parler du coffre lui-même. Il y a une arrivée d'air sur le toit menant au système de ventilation. Si tu trouves assez de laudanum, la sécurité de la banque sera dans les vapes avant même que tu n'entres. Il y a une pharmacie dans le quartier. Mais elle a été saisie par la banque. Je verrai bien. Je sais que tu es pleine de ressources. Ces clés trouvées sur les chefs des aveuglés te mèneront au couteau. Il te faudra également le passe-partout de la directrice. Fais ce que tu veux d'elle. Je suis prête. Bien. Je... Veux-tu que je reste ? Non. Tu ne peux rien faire pour moi. Récupère le couteau. Tue l'outsider. Tu dois mettre un terme à tout ça. Oui, Dodd. Je te le promets. Tu as vu plus de choses que quiconque. Ce qu'on a fait avant, les sorcières qui ont essayé d'usurper le trône, les aveuglés qui m'ont gardé dans cette cage. Moi, je suis allé dans le grand vide, Billy. Toute cette amertume, cette haine, cette peur. Et l'outsider qui choisit les porteurs de sa magie noire. Personne ne devrait subir ce genre de choses. Tu crois vraiment qu'il est responsable de tout ça ? De nos actes ? L'outsider m'a donné sa marque, en sachant ce que je ferais d'un tel pouvoir. Pendant des années, j'ai saboté Dunwall de l'intérieur. Le monde n'a pas besoin d'autres hommes comme moi. Comment vais-je réussir à entrer ? Tu es doué pour découvrir les secrets. Les aveuglés connaissent un moyen. Quand tu auras le couteau, le découvrir sera la prochaine étape. À quoi ça ressemble ? Le grand vide. Un appel à l'aide, qui reste sans réponse. Dolores Michaels, banquière sectaire. Les riches de Karnaca lui confient leur fortune. Si jamais on apprenait que quelqu'un a forcé son coffre, elle serait ruinée. Si je peux ouvrir la grille, alors le chemin par les poubelles sera le plus simple. Au pire, tu peux toujours aller leur demander la clé. Il y a une entrée sécurisée sur le toit, mais ce sera difficile d'arriver là-haut. Pour un voleur moyen, peut-être. J'ai entendu parler d'un voleur ayant failli réussir à entrer par les égouts, mais qui n'a pas pu franchir la porte. Seuls les gars de la maintenance peuvent l'ouvrir. Un gamin a délogé quelques briques pas loin. Si j'ai de la chance, quelqu'un viendra réparer. Ça pourrait être un accès rapide, bien que peu plaisant. Les gardes utilisent des codes via un système d'annonce publique, mais ils changent à chaque ronde. Aucun moyen de les connaître sans entrer à l'intérieur. Ces codes seront utiles pour atteindre les endroits les plus sensibles de la banque. Je sais que tu mettras la main dessus. J'ai soudoyé quelqu'un pour obtenir les plans du mécanisme du coffre. C'est un ascenseur. Encore une création de Jindosh. Une salle de contrôle peut déplacer le coffre à deux endroits. La cave, où se trouvent les boxes,
et le bureau de la directrice. Jean Doche était peut-être un génie, mais ses inventions sont plus fragiles qu'il n'y paraît. De vieux égouts passent sous la banque. Je me demande ce qu'il dirait s'il savait que son précieux coffre allait s'écraser dedans. Les aveuglés semblent avoir assassiné Cienfuegos, le pharmacien. Il y a peut-être encore un moyen d'avoir du laudanum. Vérifie s'il a laissé quelque chose. Ça s'annonce difficile, mais je sais que tu as connu pire. Je n'ai jamais vu d'Aude si faible. C'est peut-être la fin.